Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le département marocain de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire opte pour une géostratégie sécuritaire au-delà de l'Atlantique. Dans le cadre de la coopération sécuritaire, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire vient de signer un mémorandum d'entente avec son homologue brésilien. À Agadir, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltif Hamouchi, a signé mardi à Agadir un mémorandum d'entente avec le directeur général de la police fédérale brésilienne, André Augusto Passo Rodrigues, portant sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange d'expériences dans le domaine sécuritaire. Ce mémorandum d'entente a été signé dans l'espace accueillant les journées portes ouvertes de la DGSN en marge de la visite de travail du directeur général de la police fédérale brésilienne au Royaume du Maroc, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il vise à encadrer et à développer des canaux de coopération entre les services de sûreté marocains et brésiliens dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, de psychotropes, le terrorisme, la traite des êtres humains et des migrants et le trafic des armes à feu, des munitions et des explosifs et de leurs composants, le blanchiment d'argent, la falsification de documents ainsi que la cybercriminalité, précise le communiqué. Au niveau opérationnel et en matière d'assistance technique, le mémorandum d'entente prévoit le renforcement de l'échange d'expériences dans le domaine de la formation policière et du renforcement des capacités, le développement de l'échange des informations, des moyens techniques et des technologies, ainsi que le soutien dans les investigations et enquêtes conjointes et d'identification de mécanismes permanents de contact entre les deux parties. Cette visite a constitué une occasion pour informer le directeur général de la police fédérale brésilienne de l'expérience des journées portes ouvertes organisées par la DGSN chaque année en alternance entre les régions du Royaume, a relevé le communiqué, ajoutant que M. Rodriguez a visité les différents stands de l'espace et pris connaissance des présentations faites aux citoyens ainsi que les objectifs de cette manifestation qui incarne le concept de police de proximité. Cette visite incarne le rôle central que les services de sûreté marocains jouent au sein du système de coopération internationale en la matière à travers leur rôle en tant que partenaire fiable capable de faire face aux défis sécuritaires croissants et pôle régional de soutien à la coopération policière bilatérale et multilatérale avec divers pays du monde.